Voilà, présentement ici, il y a le rond-point. Rond-point, deuxième rond-point de Winnie. Voici la voie, là, comment les canaux sont déjà bouchés. C'est ce qui provoque la dégradation du rond-point. Bon, je vais essayer de faire le tour du rond-point. Ouais, quand tu pleut ici, tu vas déboucher. Tu vas déboucher là. La dégradation du rond-point haut. Les canaux sont déjà bouchés, hein. L'eau même se cherche. Vous voyez, voilà, les réalistes sont en mouvement dans la grande mosquée d'Odjiné. Famille, je vous ai montré les toitures là-haut. Le problème de là-bas, la cour de la mosquée, rien n'a changé jusqu'en présent. On est rentré dans une période de pluie. Vous-même, constatez vous-même. Vous voyez, c'est l'eau qui descend ici. Ici, ici, côté des femmes comme ça. Vous voyez, on va suivre ensemble. Vous voyez les seaux partout. C'est l'eau qui descend dans la mosquée d'Oudjini. Voilà. On ne va pas attendre quelqu'un. On n'attend pas les cadres pour ça. Aujourd'hui, tous les ressortissants de Odjiné, Tengele, tous les musulmans, ce que tu peux faire pour la grande mosquée, il faut le faire. On n'a pas demandé de donner l'argent en réaliste ou bien d'envoyer l'argent en réaliste. Il y a Savané Abdraman, en face de la mosquée, Dibadra, tout le monde le connaît. Toute la jeunesse, tous les ressortissants de Tengele, chacun n'est qu'à lui donner 1000 francs là-bas. Voilà, 1000 francs seulement, hein, à Badra. Inch'Allah, ce que ça va donner là, on va prendre ça pour travailler, les gens vont prendre le train en marche. Parce que si on s'assoit pour attendre les cadres pour ça, là, la mosquée va couler. Or, une maison de Allah subhanahu wa ta'ala, si tu n'as pas pu mettre ton 5 francs là-bas, là, dis-toi que tu n'as pas ta place au lieu de là. Vous-même, vous constatez, regardez les sous. C'est ici nos mamans s'asseyent. Au lieu qu'à regardez les tapis. Tout est pourri comme ça. Ici dans la mosquée comme ça, vous voyez, quand il pleut, c'est pas possible. Regardez vous-même. On va suivre ensemble. Kafo Kodoba na Djibo Roya. Mon frère, pardon, viens m'aider. Vous voyez, regardez l'eau. Tout est mouillé comme ça. Moi, je suis tapis là sans, on dirait autre chose. Même là où l'imam s'arrête,
Vous allez suivre avec moi. Voilà. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut faire. On ne s'assoit pas pour attendre quelqu'un à faire de Allah ou Subhanahu wa Ta'ala. Parce que tout le monde va avoir un jour de jugement dans sa vie. Donc ce que tu fais, c'est ce qui est pour toi. Vous voyez, quand il pleut là, les à côté là, il y a un jeune qui est là pour soulever les tapis, pour ne pas l'eau va aller en bas encore. Vous voyez, ici dans la mosquée comme ça, mi hrei, mi kairao, quoi ta. Regardez là-haut, hein. C'est pas un montage. Mbiye jinole, tapis yogbe, tapis toli toli kouogbe. Hein? Vous voyez, grâce à M. Djané, on a eu tapis là, père à son âme. Et sans oublier aussi de saluer le DG de Petrosi qui nous a donné un groupe. Sans oublier aussi de saluer le fils de Boaké Doumbia Chine. Oui, si tu es placé à Bi, comme vous êtes politicien, vous m'avez manqué, vous êtes là. Mais la bonne place, je m'en dis, oui, moi, oui, il est en ami, si vous êtes. Et sans oublier de saluer nos papas, Sila Yaya, Yaya Sila de Kanté Central, qui est malade aujourd'hui, qui ne se sent pas bien. Bon rétablissement à lui. Malgré qu'il est malade, la mosquée est en chantier pour lui. Il est en train de faire les peintures. Belle à ce Koukaya. Vous voyez où l'imam s'arrête là. Vous voyez, c'est ici l'imam s'arrête pour faire le koutouba. Au nom de Dieu, famille, regardez vous-même. Djile Djigaya, non. Aïe tapiogbe. Jile Jiga Romoya. Alma Milo Rolin. Vous voyez? Regardez, vous-même. Alma Milo Rogbe. Blangongbe Djioni. C'est ici, Imam s'arrête. C'est la honte totale pour tous les ressortissants du Dengele. Parce qu'on peut mieux faire plus que ça. Et sans oublier de saluer la jeunesse des Yorobodi qui ont cotisé près de 50 millions pour entamer projet d'une mosquée de Yorobodi qui va coûter près de 500 millions et quelques. C'est la jeunesse ressortissant du Yorobodi qui a envoyé 50 millions pour entamer ce projet. Nous, la jeunesse de Ojene, on ne fait rien, on assis pour mettre la main sur pied, Andakebray. Et c'est nous qui vivons dedans. C'est nos parents qui sont dans la mosquée ici. Les cadres là, ils viennent combien de fois dans l'année? Voilà. Vous voyez les tapis? Vous voyez les tapis? Abe Batoli. Tapis Kourou Batoli. Ah. Ni Ouyaka ke. Aïe Nansi Fonasira Royano. Nba Boyabi. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Dino Bembien. Donc, on n'est pas là pour te dire que non. Aujourd'hui n'est plus à notre image. On est en train de partir de plus en plus. Regarde les tapis là. A Kourouba Atoli, a les tapis Toli. Regarde, ça c'est sac de Anakad. On met ça en bas pour sauver les tapis. Regardez les tapis là. Regardez les tapis là. Tapis là, Djané a envoyé, le mari de Madame Lomé a envoyé ça là. Ça ne vaut même pas quelques années, mais regardez le tapis. Si c'est tapis de la mosquée ou bien si c'est pas la mosquée d'Ojine, vous voyez, dis le bois d'Alia, quoi. C'est pas la peine, dis d'une terre. Na ira aya, mordou makouma. Vous voyez, aïe tapis tout le coup. Donc, même les enfants du Dengele qui sont hors du Dengele qui envoient l'argent à votre maman là. C'est ce que notre maman la prenne pour venir donner chaque vendredi. Voilà, bon, pour commencer cette vidéo, je vais commencer par le bidron en face du marché. Ça, c'est la voie du marché qui est là, le bidron qui passe en face du marché. Vous voyez comment les choses ont dégradé. C'est un petit bidron, c'est devenu terre rouge. Voilà, vous voyez derrière les cyclistes. Vous voyez comment les gens passent. Voilà. C'est le marché qui est là. Ça, c'est le guidon du marché qui est là. Il descend. C'est un bleu guidon, c'est devenu terre rouge.
Voilà, vous voyez ici, c'est le stockage des audits. Bon, à savoir s'ils ramassent après. Donc, où est le maudit? C'est de l'autre côté du marché. Ici, c'est l'endroit qui est tombé. Les femmes sont en train de dire ici que ça va pas. Là, c'est l'endroit de proximité. Ici au marché de Guinée comme ça. Voilà. Il lance appel à Prado. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ahmed Bagayogo. Sans oublier le ministre de la Salubrité, Anne Wolotto. Vous-même voyez-vous. Voilà. Ici c'est au Guinée. C'est le grand marché de Guinée comme ça. C'est chez Ouattara lui-même. Le PR, vous voyez. Regardez, désolé pour ceux qui ont la nausée. Parce que vous allez voir tout ici. Voilà. Vous voyez. Ici en haut comme ça. Le marché d'Oujini. Vous voyez. Regardez vous-même. Les gens sont sur la dalle, personne ne peut monter en haut. Tout est pourri ici, tout est gâté. Voilà. 10 ans de Ouattara, on n'a pas bénéficié d'un bon marché. C'est pas bon. Voilà. Il faut regarder. Hein. Vous-même, constatez vous-même. C'est la honte totale pour nous tous, pour tous les ressortissants qui Dinguele et sa région. Monsieur le Président, le réaliste vient vous montrer la réalité du marché. Il sait que quand vous venez en votre visite, vous ne pouvez pas venir dans le marché pour venir voir ce qui se passe réellement. À travers la vidéo, vous allez voir la réalité. La population en danger. Le marché de Guinée, c'est une piège vietnamien, on ne sait pas quand. Si ça doit écouler, que ça n'a qu'à se passer la nuit, pas la journée. Vous voyez? Vous voyez? La mairie même en train de donner les montées d'escalier aux différents commerçants qui peuvent mettre grillage devant pour ne pas les gens vont monter. Vous voyez? C'est les bordures là qui tombent sur les gens. Même si je pousse à l'air là, ça va tomber. Vous voyez? Constatez vous-même quoi. Voilà. Vous voyez. Regardez. C'est le bordure là. Hein, qui tombe sur les gens. La fois passée, l'année passée, c'est tombé sur des gens ici là. Il y a une femme même qui a eu fracture au pied là. C'est pas encore fini. Faut voir. Les réalistes, vous-même, constatez vous-même. Si on dit que non. Si on monte ça, on est contre des gens qui sont des Dinguele. On est contre des gens qui sont de la ville. Est-ce qu'ils sont prêts pour le développement? Hein? Regardez, hein? Regardez vous-même. Il n'y a personne en haut. Voilà. Quand je vais lancer le message à mes parents en Malinké, ils vont comprendre. Vous êtes là pour jeter les ordures en haut. Vous pensez que c'est un sabotage? On ne se joue pas au danger. Pendant ce temps, on est en danger. Au dîner, en danger. Regardez vous-même. Regardez, c'est les bordures là qui tombent. Les gardes-corps là sont en train de tomber. Regardez. Regardez vous-même. Regardez. Donc, si. Vous n'avez pas pitié du Dinguele, vous n'avez pas pitié de la population. Cherchez un jour pour dire à la population de ne pas venir au marché. On va faire tomber les bordures là. Faut pas savoir tomber. Nous-mêmes, on va faire exprès pour casser. Faut pas savoir tomber sur la population. Tu vois. Donc, on va tomber pour le Dinguele.
Aïe Nakuma mien fois quand on aïe Sabiri aïe Frana nyama bla sans faire. Si chacun vient lancer jeter son ordi en haut de l'étage, en haut du marché, imagine la population qui vient dans le marché, c'est plus que des 20 à 30 000 personnes, hein, qui viennent dans le marché. Si chacun a donné, vient jeter ordi 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo là, vous pensez que ah, c'est mon chassé là et jeter seulement, ça fait rien. Si tout Odiné a jeté ordi en haut là, les poids vont dépasser que pour les êtres humains qui vont, qu'on dit faut pas, ils vont monter en haut. Donc ça peut envoyer le dégât. Donc vous voyez, non? Donc franchement, dit, c'est le réalisme. Côte d'Ivoire, un violon au roche au port de la ville d'Odiené. Et c'est un article qui est publié en date du 1er avril 2022. Il nous a dit que l'aéroport international Lamine Diabaté d'Odiené, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, a enregistré plusieurs dégâts matériels sur son site, causés par un vent violent qui a soufflé sur toute la ville dans la nuit du jeudi. Selon la Sodexam, cet orage d'une intensité de rafale de vent atteignant au maximum 75 km/h survient à la suite d'une série d'orages les 21, 22, 23 et 25 mars 2022 et celui survenu dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 mars 2022. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, il faut dire que l'orage a endommagé des bâtiments abritant l'aéroport et certaines installations aux alentours. Et donc, mesdames et messieurs, vous vous rendez compte que cet orage d'à peine 75 km/h qui aura pu détruire l'aéroport de Dénée, cela prouve exactement que le travail n'a pas été de bonne qualité. Quand on a vu des murs s'écrouler, comme vous pouvez le voir sur ces images, quand on a vu le toit s'envoler, quand on a vu les barres de fer se tordre et se plier comme des morceaux de brindilles de balai, cela veut dire que la qualité du travail n'a absolument pas été au rendez-vous. Et c'est à plaindre au plus profondément de tout esprit qui se veut lucide pour la simple bonne raison que ce travail n'a pas été fait à l'insu des cadres et des populations de Dienné. Et aujourd'hui, il aura fallu un si petit vent d'à peine, ça n'a même pas atteint 75 km/h pour pouvoir démontrer le mauvais travail qui aurait été fait. Et donc, pour terminer cette séquence, je tiens à remercier les fils d'Odiené qui se sont prêtés à ce jeu que nous avons fait, le texte que j'ai écrit en français, et ceux qui sont des fils d'Odiené sur la plateforme nous ont aidés à travers une transcription, et voici le texte que nous avons pu obtenir. Et donc, c'est un message à tous les fils du Dengélé. Il est écrit Abraké Moneye Ibolola, Iman Wori Soro, Imi Yere Soro, Ifaso Brake Lesoye Inyana, Iman Malo, Iman Fo Kiese Kola, Koke Anyaye. Kuma bafo te kunanja togoma sereye arogbe bi kokoroko. Et selon la traduction qu'ils nous ont donnée dans leur langue malinké, voici le texte que moi-même j'avais écrit originellement et dont j'ai demandé traduction. Te voilà à récolter la déchéance. Tu n'as ni obtenu l'argent, encore moins ta dignité. Ta patrie est devenue une porcherie. Tu n'as pas dit que tu peux. Montre ce que tu peux faire. La forte gueule n'est pas l'apanage du bonheur. Voilà ça aujourd'hui, Cocoroco. Vous regardez la cour de la douane. Ça fait 15 ans, près de 15 ans aujourd'hui, président Ouattara, vous êtes au pouvoir. Il faut regarder. On vous fait croire que quand douane là,
c'est construit. Parce que quand, lors des visites présidentielles, ils ont clôturé la cour de la douane, Camp Douane. Donc quand tu passes devant, tu as l'impression que c'est fini. Oh, c'est pas fini. Vous voyez, aux directions générales de la douane. Mais c'est direction générale des champs de maïs. Je vais monter, vous allez voir. Vous-même, vous voyez. C'est champs de maïs. Vous voyez. C'est champs de maïs. Ici, c'est l'abattoir de Odjeni. Vous-même, vous regardez. On dit on nettoie pas l'abattoir de Odjeni. C'est faux. On nettoie l'abattoir de Odjeni. Voilà. Mais l'abattoir n'est pas suivi. L'abattoir n'est pas suivi. Voilà. Ici, c'est l'abattoir de Odjeni. On nous dit que l'abattoir, là, quand on nettoie pas, on nettoie l'abattoir. Quand tu regardes là, c'est nettoyé. Mais le problème est que à 6 heures, quand les gens les bouchers finissent de partir à élever là, d'ici le lendemain, les vœux malades qui quittent dans les différents FARC, les vœux accidentés qui viennent. Donc il y a pas de vétérinaires pour suivre ça. C'est eux qui fassent pour venir faire. Ils viennent découvrir la viande, ils vont faire nettoyer. Donc si toi tu viens à 14h, tu viens trouver que c'est pas nettoyé. Donc le problème de l'abattoir n'est pas ça. Il faut réhabiliter l'abattoir de Odjeni. Il faut réhabiliter. Voilà, tout est vieux, vieux ici. Tout est parti, même les ciments là. Il y a plus de béton. Vous voyez? Voilà le béton de fruvouté qui est là. Voilà premier ciment, premier chose, béton qui est là. Voilà deuxième. Vous voyez moisissure, ça devient vert vert. Le problème, on doit suivre la consommation de la population de Odjeni. Ok. Il n'est même pas encore le meilleur. Il va devenir le meilleur parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais pour le moment, dans le classement, il fait ce qu'il est tous. Parce que Odjeni même n'est pas dans le classement d'abord. Regardez de façon la ville est. Hein? L'abattoir. Tu vas venir tout de suite là, tu vas venir montrer que non, c'est pas nettoyé, c'est pas nettoyé. Et les enfants qui viennent, celui qui vient nettoyer, tu vas gâter son travail. Il vient nettoyer. Mais quand on tue les vœux à 6 heures, tout le monde s'en va. Il va venir à 11 heures ou bien à 10 heures pour venir nettoyer. L'intervalle de 10 heures à l'autre 6 heures là. C'est ça qui fait que toi, tu es des fois ça, il y a 15 heures ou bien à 14 heures, tu vas venir trouver tous ces déchets là. Tu vas imaginer que non, c'est le déchet de 6 heures du matin qui n'est pas encore nettoyé. Là, tu fais une erreur. Appeler les tripes, voilà, non. Celui qui a nettoyé ne sait pas ça là. Ceux qui ont tué les vœux là, ils ne savent pas ça là. Ça dit, la voiture est devenue un laisser-aller. Sinon, le docteur doit être permanent ici. Vœux qui est quitté en brousse, il est mort de quoi? C'est seulement qu'il a mordu, on ne sait pas. C'est au cours d'une vaccination, il est mort là, on ne sait pas.